Elles sont où, les photos? Oui, je vous appelle pour vous signaler un cambriolage. Bon, et t'as pas posé de questions à Nicolas un peu, là? Tu l'as pas cuisiné? Bah, c'est mon mec, je vais pas lui faire passer à l'interrogatoire. C'est Alix qui pense que c'est moi qui ai cambriolé sa galerie? Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Je te rappelle qu'à cause de ce connard, elle risque de tout perdre, en fait. Soit tu me dis la vérité, soit je te casse les jambes. Bon, c'est moi qui ai cambriolé la galerie. Donc, il a rien à voir dans cette histoire. Putain, je suis désolé, Alix. T'as cassé quelque chose. C'est fini. Alain est tombé en détresse respiratoire. Vous pensez qu'il a été empoisonné? Ouais, enfin, vous savez, dans le monde des affaires, on se fait pas que des amis. Regardez, Catherine Lomière. Vous pensez qu'elle a pu mettre quelque chose dans l'air? Est-ce que tu l'as empoisonné, oui ou non? Si j'avais voulu venger la mort de ton père, c'est Elisabeth que je m'en serais prise. J'ai raté un truc, là? Laisse tomber. Ça part pas? Ça partira au pressing. Oui, t'as raison. Lomière, vous dites? Catherine Lomière, c'est un tailleur. Ah, oui, effectivement, mais il sera prêt que demain. Est-ce que je peux le récupérer? Vous voulez le récupérer sale? Voilà, c'est ça. Je vous le ramène demain. Madame, s'il vous plaît. Si vous voulez. Sûr de toi? Je crois qu'il est temps d'arrêter les frais. Mais je sais pas, on peut au moins contester la décision de l'assurance avant d'en arriver là, non? Oh, c'est ça, non mais attends, la procédure, elle va durer des mois, il faut que je trouve un nouvel expert, il faut que je le paye, je peux pas. En plus, il y aura aucune garantie de résultat. Ben oui, mais enfin, ça reste une possibilité. T'as bien réfléchi? Ben, non seulement, tu vois, j'ai plus une thune. Et puis... j'ai plus l'énergie, donc oui, je suis certaine. On dépose le bilan et... voilà. Et je veux que ça s'arrête. Bon, ben, ok. Je vais négocier au mieux avec tes créanciers pour limiter les dégâts et je te tiens au courant. Merci, Claudine. Vous fermez la galerie? L'assurance refuse de m'indemniser pour le vol, donc j'ai pas d'autre choix que de jeter l'éponge. Je suis désolée, Maëva. Non, mais je comprends. C'est pas de votre faute. Non, puis je voulais te remercier sincèrement pour tout le travail que t'as accompli avec moi. Mais bon, voilà, j'ai plus d'argent et puis t'es pleine de ressources. Hein, tu vas quand même trouver quelque chose. Même mieux qu'ici, tu vas voir. Non, mais t'inquiète pas, hein, oh, je vais rebondir. Et puis toi, t'as du talent, t'es pleine de vie, t'as tout pour toi. Il faut que je vous dise quelque chose. Tu sais que je croule littéralement sous les messages. Tout le monde m'envoie des petits mots, des petits textos pour prendre de tes nouvelles. Tous les amis s'inquiètent. Et Flore surtout. Elle est épatante, ta fille.
Elle se démène pour toi. Je pensais pas te dire ça un jour. Elle est formidable. S'il vous plaît. Ok, bradycardie à 40. Il est en arythmie, on prépare une injection d'atropine 0,5. On fait sortir Madame Bastide. Non. Allez. Les électrodes. Et on s'écarte. Je choque. Allez, Alain, fais pas ça. On recule et je choque. Allô? Allô? Ouais, Bilal, j'ai un service à te demander. Ouais, dis-moi. Tu pourrais m'analyser un truc, s'il te plaît? Ouais? Quel genre de truc? Ma mère a retrouvé son charret de mort dans le jardin. Elle pense qu'il a été empoisonné. Oh merde, qui a fait ça? On pense que c'est le voisin. Cet enfoiré supporte pas les chats, et puis il arrête pas d'accuser celui de ma mère d'attaquer son pauvre Klebs, là. Un York complètement débile, enfin bon, bref. Ok, mais tu veux que j'analyse quoi exactement? Ben justement, à côté du chat, il y avait un petit tas de poudre rose. De la poudre rose? Ouais, genre Morora. Mais je préférais vérifier avec toi avant d'accuser le voisin, quoi. Ouais, bah écoute, la Morora, c'est pas trop mon rayon, mais... Ok. Bon, bah super. Je te ramène les trucs, j'arrive tout de suite. Hein. Ça marche. T'as une idée de combien de temps ça prendrait? Oh bah, si tu m'amènes l'échantillon maintenant, je jetterai un œil dans la journée. Super, ouais. Merci, Bilal. Bah, je t'en prie. À toute. Un pot. Ici. À la galerie. Je voulais pas. C'est eux, ils m'ont mis la pression. Donc là, t'es en train de me dire que probablement, c'est un de tes potes qui a fait le coup. Non, pas probablement, je le sais. Tu sais qui c'est? Un pote de Tom, il lui a dit hier. Non mais c'est... Tom il le sait depuis hier et puis il m'a rien dit. Mais c'est parce que c'est son pote. Il pouvait pas le balancer aux flics. Mais enfin tu me saoules avec tes potes. J'appelle pas ça des potes, j'appelle ça des voyous. C'est des voyous. Écoutez, je sais qu'on a déconné, on aurait jamais dû faire ça. Mais je me serais jamais douté qu'il allait se passer un truc comme ça. Et Tom non plus d'ailleurs. Alors comment il s'appelle cette espèce de petite merde là? Roméo. Et puis je sais même pas comment il a fait pour choper les codes de l'alarme. J'ai fait hyper gaffe, Alix, je vous jure que c'est vrai, vraiment. Stop! On verra ça beaucoup plus tard parce que là je suis en train de m'énerver, ça sert à rien, d'accord? Je suis en train de monter au palmier. Alors tu vas me dire où je peux trouver cette espèce de petite merde? Sur les bateaux, ils bossent avec Tom. T'as pas entendu? Sur les bateaux, ils bossent ensemble avec Tom, voilà. Il est où, Roméo? C'est lui. C'est toi? C'est toi, Roméo, oui ou merde? Ouais, c'est moi. Donc c'est toi qui as cambriolé ma galerie. Réponds-moi, je t'en colle une. Oui, c'est moi, mais j'avais besoin de fric, j'étais un peu dans la merde, voilà. Alors, je récupère-moi bien, espèce de petite merde. T'as 30 secondes pour me dire ce que t'as fait des photos. C'est-à-dire que... Sinon j'appelle les flics, puis fais-moi confiance, ils sauront comment te faire parler. Je les ai vendus. À qui? Bah, un mec, ce genre de truc intéressant. Son nom? Alvaro. Alvaro? José Alvaro? Vous le connaissez? Il les a revendus? Je crois pas, non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, il m'a donné la moitié du fric et il m'a dit qu'il me donnerait l'autre moitié à partir du moment où il aurait fini la vente. C'est-à-dire là, quand ça? Samedi, je crois. Alors, si c'est vrai, on va dire que t'as du bol. Petit con. Et madame? Vous allez pas me balancer aux flics, hein? Alix! Toi, tu m'adresses plus la parole. Attends, je suis sûr qu'il y a moins qu'on s'arrange. Sans blague. Regarde, si Roméo, il te file la thune des photos et que toi, tu vois avec le mec. José? Ouais, c'est ça. Bah, apparemment, tu le connais. Écoute-moi bien, petit merdeux. J'ai confiance en toi, tu m'as trahi. T'as préféré couvrir ton pote. Alors, t'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est juste que je pouvais pas le balancer, il risquait de se retrouver en tôle, c'est tout. Parfait. Alors maintenant, t'as choisi ton camp. Va te faire voir. J'ai pas choisi mon camp, je sais juste que ça fait de se retrouver chez les flics et de se faire traiter comme une merde. De toute façon, c'est exactement ce que vous êtes tous les deux. Mais moi, j'aurais pas dû lever le petit doigt pour t'aider, j'aurais dû te laisser comme ça, dans la merde. Mais bon, voilà, trop bonne, trop conne.
après, c'est pas vrai ce que tu dis, hein. Dis pas ça. Tu veux que je te dise, rassure-toi, je vais pas aller voir les flics, hein, même si ça me dérange. C'est vrai? Ils montent dans le collimateur, donc ils vont jamais me croire. Hein. Tu vas faire quoi, du coup? Je vais régler les choses à ma façon. En attendant, tu m'oublies. La crise est passée, mais pour l'instant, son état s'est encore dégradé. Son cœur est encore très fragile, mais on a réussi à le stabiliser. Ça veut dire quoi, stabiliser? Il va s'en sortir? Je suis désolé, Elisabeth, je peux rien vous garantir. La Morora. C'est quoi alors? C'est du laurier rose réduit en poudre. Du laurier rose? Ouais, ouais, il y en a beaucoup dans la région. Ok. Et c'est du poison ou pas? Ah bah oui, oui, c'est très toxique. Suffisamment pour avoir tué le chat de ta mère. Putain. Et pour les humains? Ah bah oui, aussi. Ouais, d'ailleurs, si t'as touché la poudre, j'espère que tu t'es bien lavé les mains. Bah ouais. Bon bah merci, Bilal. Bah, je t'en prie. Merci beaucoup. Je sais que ça te fait chier, mais j'étais obligée de lui en parler. T'imagines, à cause de nous, elle s'est mise dans la merde. Avec ce pot à la galerie qu'on a fait, là, elle a failli tout perdre. Je sais. Mais je t'en vais pas de lui avoir tout dit. Ouais, mais elle était hyper vénère contre toi quand tu lui as parlé. Elle m'a pourri. Après, moi, je pouvais pas balancer Roméo. Alors que c'est à cause de lui qu'on est tous dans la merde. On est d'accord. Ouais. Elle t'a dit qu'elle allait faire quoi? Qu'elle irait pas voir la police. C'est tout? Non. Qu'elle réglerait ça à sa manière aussi. Ça veut dire quoi, à sa manière? Je sais pas, mais avec Alice, faut se préparer à tout. Genre? J'ai une idée, je te dis. Mais elle a toujours un plan. J'espère qu'elle va pas faire n'importe quoi. Comment ça, tu veux tout arrêter? Tu veux plus déposer le bilan? Bah, pas tout de suite. Bah, oui, il faudrait savoir, hein. Tu veux quoi, au juste? Bah, on suspend les démarches. Bah, je vois pas où est le problème. Plus tu déposeras le bilan vite, plus le tribunal pourra ordonner une procédure de conciliation et mieux tu pourras négocier avec tes créanciers. Non, mais ça va, c'est bon, j'avais compris. Bah oui, mais si tu déposes le bilan, c'est maintenant. Sinon, c'est quoi le but? Mais là, il faut que je réfléchisse ces nouvelles possibilités. Tu vois, puis en attendant, ce serait bien que tu me donnes quelques jours de délai, hein. T'attends le tirage de l'auto? Pas exactement. Bon, écoute... Alex, ce matin, t'étais au bord du suicide et là, tout d'un coup, t'es remontée comme un coucou. Il s'est passé quoi entre-temps? Non, mais je t'expliquerai, hein. Tu prépares quoi comme magouille? Bah, rien. J'ai une idée. Mais bon, je t'expliquerai plus tard. D'accord. Donc c'est une magouille. Bon, alors tu me l'es passé quelques jours, oui ou merde? Mais ma grande, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ton business. Maintenant, une chose est sûre. Si tu te mets à nouveau dans le merdier, tu comptes pas sur moi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, je te tiens au courant. Allez, viens. Allez, allez, dépêche. Ben oui. Alors, c'est quoi ce truc urgent là que tu pouvais pas me raconter au téléphone? Chut,
Allez, mets ta ceinture. Attends. Il va s'en sortir. Vous avez du neuf sur les vidéos? Pas vraiment. Vous les avez toutes regardées? Ouais, enfin celles que j'ai reçues, oui. Je trouve pas grand-chose. Je sais plus quoi faire, mais je suis complètement désemparée. Ouais, je sais, moi aussi. Si ça se trouve, il n'y a pas d'intoxication. C'est pas parce que j'ai pas trouvé qu'il faut abandonner. Je me suis peut-être montée la tête toute seule. Ça arrive quand on veut absolument savoir ce qui s'est passé. Il a faux, cette explication. Mais il y en a forcément une. On l'aurait peut-être jamais. J'arrive plus. Vous êtes épuisée. Ça fait des jours que vous n'avez pas dormi, rentrez, vous reposez. Je veux pas laisser Alain. Je suis là. Je le laisse pas tout seul. Je prends le relais, ok? Merci d'être là. Ouais, tu pourrais me dire où on va quand même. Je sais où sont les photos. Ah bon? Elles sont où? Chez un receleur. Un receleur? J'ai eu affaire à lui à l'époque des Dauphinois, un certain Alvaro. Alvaro? José Alvaro? Tu le connais? Pas directement, mais enfin, Jade était en business avec lui à l'époque. Ah d'accord, c'était leur switch, le mec. Tout le monde le connaît. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire dans l'histoire, moi? Ah bah, moi, je peux pas faire ça tout seul. Il faut absolument que tu m'aides pour récupérer les photos chez José, hein. Enfin, excuse-moi, mais je vois pas trop comment, en fait. T'inquiète, moi, je vois très très bien. Non mais Alix, José Alvaro, c'est un peu la pègre en fait. Moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ce type, hein. Non mais enfin, t'es sérieux là? Mais oui, je suis sérieux, enfin, José Alvaro, c'est un truand, c'est la mafia, on va finir en char à saucisse. Non mais enfin, c'est pas Pablo Escobar non plus, hein. Mais je m'en fous, non, c'est nada, que dalle, que dalle. Non, j'y vais pas, moi. Non, mais moi qui croyais que... Que quoi? Bah qu'après ce qui s'était passé avec Nicolas, voilà, moi je pouvais compter sur toi, mais apparemment c'est pas la reconnaissance qui t'étouffe, hein, ça c'est sûr, hein. D'accord. Bah oui, hein. D'accord, donc on en est là en fait. Oui, on en est là, exactement. On en est vraiment là, putain, Alix, tu fais chier, quoi. À droite. Oui, non, c'est à gauche. À droite. Non, c'est à gauche. Bon, on confirme pour samedi. Non, mais tout est sous contrôle. Non, 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 il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ben, c'est un bon prix pour ce genre de photo. Je les ai eus par l'intermédiaire d'un gamin qui n'a aucune idée de leur valeur. T'as à me regarder comme ça. Maman, on sait tous les deux ce que t'as fait. Quoi encore? T'as empoisonné Alain. Pardon? Avec du laurier rose. Tu l'as réduit en poudre et tu l'as foutu dans son verre pendant le mariage. Non, ça va pas, Boris. Tu délires complètement, là. J'ai examiné le tailleur que tu portais. J'ai trouvé des traces. C'est impossible, ça. Le pressing, d'ailleurs. C'est là que je l'ai récupéré, justement. Grâce à ton ticket que j'ai trouvé dans ton sac. Malheureusement pour toi, il l'avait pas nettoyé. Mais t'es devenu complètement fou, Boris. J'ai fait analyser les traces de poudre qui se trouvaient sur le tailleur. Du laurier rose. Et alors? J'ai dû me tâcher en passant dans le jardin. Mais quel jardin? Mais tu veux pas arrêter de mentir, c'est... Non, mais toi, arrête! Tu te rends compte de ce que tu me dis, là? T'as voulu buter Alain en l'empoisonnant, ouais? Ça suffit! Le jour de son mariage. Arrête! Présente-moi tes excuses immédiatement. Tu entends? Je veux que tu retires immédiatement toutes les ignominies que tu viens de me jeter à la figure. Ah!
effectifs, on n'a pas assez. On appelle un renfort? Oui, on reverra ça. Bon, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on parle. Lorine. De quoi? On va pas trouver un endroit tranquille, là. Attends, mais tu veux qu'on parle de quoi? Tu me fais flipper, là. Des mamans. Et Alain. C'est la merde, là. C'est la grosse merde. Elle a essayé d'empoisonner Alain. Elle a voulu le buter. Putain, mais dis pas que t'étais au courant. Oui, j'avais un doute, Boris. J'en ai même parlé à maman. Elle m'a juré que c'était faux. Et tu l'as cru? Oui, j'ai préféré la croire. J'ai la preuve qu'elle ment. On va pas la balancer aux flics, quand même. Ben non, 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 on va pas la balancer aux flics. Il faut faire quelque chose pour Alain. Et vite. J'ai retrouvé le poison qu'elle a utilisé. C'était quoi? Tu l'aurais, Rose. Tu crois que tu peux faire quelque chose? Techniquement, oui. Mais je peux pas expliquer l'état d'Alain à mes collègues. Comme si j'avais une intuition divine, ça va paraître suspect. Mais il va falloir. Et vite. Sinon, Alain va mourir. Ah, tu m'as vraiment pris pour... Tant bien. Bonjour. Bonjour. Ève, la grand-mère de mon fils. On peut se toucher quand même. Sinon, ça va être compliqué de continuer à travailler ensemble. Elisabeth ?